Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous aussi vous publiez vos vidéos sur Internet ou que vous avez en tête de publier vos matchs de tennis sur YouTube. Je voulais disposer moi aussi d'un tableau des scores comme Chris Cross 118, un très beau tableau des scores qui permette de visualiser de manière plus sympathique les matchs de tennis que je publie. Mais ce n'est pas si simple de publier un tableau des scores puisqu'il faut disposer de logiciels un peu sophistiqués comme Premiere ou Final Cut. Également d'avoir des bonnes connaissances techniques pour pouvoir faire dans un temps assez court tout le processus de copier-coller qui est assez rébarbatif à mon goût. Donc moi j'ai utilisé une autre technique que j'ai trouvée plus facile et sans doute plus rapide. Cette technique, vous la voyez au-dessus de ma tête dans le tableau des scores que j'affiche ici. C'est un tableau des scores qui a le mérite d'exister, même s'il est un petit peu moins beau que celui de Chris Cross 118, mais surtout. Il est beaucoup plus facile à réaliser. Alors je vous explique comment. Puisque j'utilise un logiciel qui s'appelle Tennis Score Keeper, que j'utilise sur mon téléphone Android, mais je crois qu'il existe aussi pour iPhone. Et ce Tennis Score Keeper me permet de suivre les scores de mon match directement sur mon téléphone. Je fais une illustration ici à droite d'écran. J'insère les points point par point en suivant le match, tout en enregistrant, et ça c'est important, tout en enregistrant l'écran de mon téléphone. Et une fois que le match est terminé et que les scores sont entrés dans le logiciel Tennis Score Keeper, je vais exporter cette vidéo sur mon ordinateur, je vais l'insérer dans mon logiciel iMovie, comme vous pouvez le voir ici. Et je vais procéder par. Je vais cropper, je vais découper la partie de la vidéo qui m'intéresse pour pouvoir la garder et l'afficher par-dessus mon match. Donc il s'agira bien sûr de bien réussir à caler les deux vidéos ensemble. Et donc ici je découpe la partie de la vidéo que je souhaite conserver pour l'afficher sur mon match de tennis. Et donc je glisse-dépose mon score dans mon match de tennis et je vais utiliser une fonction qui s'appelle Picture in Picture, image dans l'image, que je vais positionner à l'endroit souhaité et qui va me permettre d'afficher un tableau des scores. En fait, tout est fait là. J'ai rentré mes scores dans mon téléphone, j'ai ma vidéo, je vais la caler et grâce à ça, j'ai un tableau des scores qui s'affiche quasiment automatiquement au-dessus de ma vidéo. Autant dire que je gagne beaucoup de temps, même si ici, pour les besoins de la démo, j'ai inséré mon score pas-dessus, un autre score, donc c'est pas très propre, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est de comprendre le principe et de pouvoir afficher un tableau des scores, parce que ça rend le suivi du match beaucoup plus sympathique. Et d'autre part, est beaucoup plus agréable. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser concernant le processus pour arriver à publier ce tableau des scores, je lui réponds avec grand plaisir sous la vidéo. Et puis continuez à utiliser la vidéo pour améliorer votre tennis. À bientôt!